Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo ni de présentation de créa ni tuto. C'est par rapport à mon petit concours que je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos. Donc tout d'abord, je tenais encore à toutes et à tous et à toutes vous remercier pour vous être abonné à ma petite chaîne. Je pensais pas du tout avoir autant d'abonnés si rapidement. Je suis très contente. Ça prouve que ce que je fais, ça plaît. Et je vous remercie aussi de votre fidélité. Donc, pour ça, je voulais faire un petit concours. Alors, je vous en parle maintenant, mais vous allez voir, vous allez avoir le temps. Pour ceux et celles qui veulent participer, parce que je vous ai un peu vaguement dit que j'étais assez prise ces derniers jours et ces prochaines semaines. Donc je vais vous laisser. Donc ce petit concours va démarrer début janvier. On va dire, allez, je ne sais pas quand est-ce que c'est la rentrée scolaire. Juste après les vacances de janvier, j'ai pas de calendrier là sous les yeux. Donc voilà, hein, comme ça, pour ceux et celles qui veulent participer et qui ont des enfants, après les fêtes, en plus, là, on est tous en période préparatif de fêtes, ou même on a la tête aussi quand même pas mal prise avec tout ce qui nous arrive en ce moment. Donc je préférais commencer début janvier, hein. Après, ce concours durera environ 2 mois. Donc, vous voyez, pour les participantes et les participants, je pense que vous aurez quand même du temps pour ce concours. Il y aura, oui, au moins 2 mois. Donc, pour moi, l'idéal, ça serait ouais, début janvier, fin février. Hein, voilà. Maintenant, alors. En ce qui concerne, alors déjà, les lots, je ne montrerai pas les lots qu'il y aura. Déjà, parce que je ne veux pas tenter des personnes qui ne sont pas. Je débute, mais j'écoute quand même beaucoup de ce qui se dit sur les autres chaînes des copinettes. Et même si c'est que mon premier concours, j'ai pas envie de me faire trop avoir, quoi. Hein. Donc. Je ne montrerai pas les lots, enfin le ou les lots, parce que je ne sais pas encore s'il y aura un ou plusieurs gagnants. Déjà, pour ce que je viens de vous dire, parce qu'il y en a qui apparemment, enfin c'est même pas apparemment, hein, c'est arrivé, qui font des concours juste pour le lot, et puis après, il n'y a plus personne. Donc, moi, j'ai pas envie de faire ça. Parce que je suis comme vous toutes et vous tous, hein. Moi, quand je fais quelque chose, j'y mets tout mon cœur, j'y mets du temps, j'y mets du cœur. Et si c'est pour une personne qui est juste avare avide de cadeaux, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas ça pour ça. C'est pour ça que je ne veux pas attiser les gens avec les lots. Donc, je ne montrerai rien. Je ne montrerai seulement quand on aura fini le concours. Déjà, en plus, je ne sais pas déjà ce qu'il y aura dedans. Il y aura forcément des créations faites main. Il y aura peut-être quelques petites choses hachées. Enfin, je ne sais pas encore. Hein. J'ai pas encore trop réfléchi de ce côté-là. Alors, deuxième point. Le concours en lui-même s'adresse à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Que ce soit à l'étranger, parce que j'ai quelques personnes qui sont à l'étranger, ou que ce soit en France, c'est pas un souci. Le concours vous est ouvert. Donc, il faut être abonné à ma chaîne. En général, alors parce que le problème, c'est qu'on me dit, c'est bien quand les personnes sont en public.
Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à se mettre en public et que je sais qu'ils sont fidèles. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai essayé de me mettre en public. Alors, pour certaines, apparemment, ça a bien marché. La dernière fois que j'ai voulu me mettre en public, parce que j'ai une copine qui a une chaîne, elle me dit, moi, je ne te vois pas dans mes abonnés. Moi, je ne la vois pas dans mes abonnés, alors qu'on sait très bien qu'on est abonnés l'une et l'autre. Et quand je me suis mise en public, ça m'a complètement... Je sais pas ce que ça a fait sur ma chaîne, mais enfin, ça a fait des trucs. J'avais plus mon, c'est pas mon avatar, mon profil là, normal. Enfin bon, donc du coup, j'ai enlevé. Et quand j'ai enlevé, c'est revenu à la normale. Donc, je sais pas si certaines conditions me voient en public dans leurs abonnés. J'en sais rien. Donc, je suis un peu, c'est un peu délicat pour moi de vous dire être en public. Oui, j'aimerais mieux, j'aimerais mieux. Mais je n'ai pas encore un nombre d'amis abonnés à ma chaîne, dans le sens que j'arrive quand même à repérer ceux qui me laissent des commentaires. Et ou ceux qui viennent, même sans faire forcément mettre un commentaire, mais qui viennent voir mes vidéos, en général, j'arrive quand même à le voir. Bon, pas tous, mais à ce moment-là, jusqu'au 1er janvier, hein, enfin début janvier, jusqu'à la fin des vacances de janvier. Voilà, on va faire ça comme ça. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de mettre des commentaires, mais qui viennent régulièrement voir mes vidéos, à ce moment-là, faites-vous connaître. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que j'en connais qui ne laissent pas forcément des commentaires, mais qui viennent voir. Voilà. Donc, alors, on récapitule, parce que là, je suis partie dans des... Ouh, je m'enlise dans la semoule, hein. C'est mieux que la vase, même si je suis au bord de mer. alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, alors, on recommence. Le concours débutera après les vacances de janvier, pendant un minimum de 2 mois. Voilà. Ensuite, je ne montrerai pas les lots, le ou les lots. Pour l'instant, je ne sais pas, hein, qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Maintenant, ce que je demande, enfin, ce que je demande, j'aime pas dire ça, mais ce que j'aimerais pour le concours, c'est que les personnes qui veulent participer soient abonnées à ma chaîne, me laissent quand même un minimum de commentaires. Ou un petit pouce en l'air, ou enfin des pouces en l'air, on voit pas qui c'est qui est ces pouces en l'air. Enfin bon, qu'ils soient quand même assez présents sur ma chaîne, quoi. C'est quand même la moindre des choses. Pas juste être là quand il y a un intérêt. Voilà. Alors, en ce qui concerne le concours en lui-même pur et dur, ce que je demande. Vous allez voir, attention, Marise est très très exigeante. Non, je demande rien de spécial. Non, si, il y a une chose que j'aimerais, parce que sans plus, j'ai toujours plaisir à en recevoir, et puis en même temps, ça me permet d'avoir un peu plus de renseignements sur vous, c'est d'avoir une petite memory dex. Voilà. C'est le minimum des choses que je vous demande, une petite memory dex. Après, si vous voulez m'envoyer qu'une memory dex, bah, vous m'envoyez qu'une memory dex. Si vous voulez m'envoyer une création, vous m'envoyez une création forte. Vous m'envoyez ce que vous voulez, mais le minimum, une petite memory dex, parce que moi, ça me permet d'apprendre à vous connaître, surtout pour celles qui n'ont pas de chaîne. Alors, attention, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément le Dice memory dex et tout ça. Donc, c'est pas grave. Vous en faites pas. Moi, j'ai pas le Dice et ça m'empêche pas. J'arrive quand même à faire les memory dex. Hein. Vous inquiétez pas pour ça. Pour l'instant, en plus, moi, j'ai quand même pas encore l'appareil. J'ai rien de tout ça. Donc, pour l'instant, je les mettrai dans une jolie boîte de mes amis. Alors, si vous n'avez pas le Dice, mais que vous avez peur, vous savez, au niveau des encoches, de vous tromper au niveau des dimensions, vous le faites pas. C'est pas grave. Moi, à ce moment-là, le jour où j'investirai dans le, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, petit truc là qui tourne, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne veux pas dire de bêtises, à ce moment-là, je les ferai moi-même. Hein.
Je préfère qu'il n'y ait pas les petites encoches et que je fasse moi-même après, que vous ayez fait les encoches et puis qu'après je puisse plus les mettre dans dans ce petit truc-là. Vous voyez ce que je veux dire, petit truc qui tourne. Donc, non, je préfère faire comme ça. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est tout. Juste, enfin, le minimum, c'est la memory text. Alors après, donc, vous avez dans la barre d'infos, vous avez toujours mon adresse mail pour me contacter. Si vous avez besoin de renseignements, bah déjà mon adresse postale, hein, minimum. Si je réponds pas tout de suite, vous inquiétez pas, hein, c'est pas que je veux pas que vous participiez, mais pardon, je ne suis pas toujours derrière ma boîte mail, hein. Surtout dans les jours et les semaines qui vont suivre, je serai peut-être un petit peu moins dispo, mais je vous répondrai, ça vous inquiétez pas. Donc, oui, je pense que je vous ai tout dit. Donc, la date, début, enfin, après les vacances de Noël, jusqu'à fin février, normalement, oui, fin février, être abonné à ma chaîne. En général, sinon, bah, enfin, laissez un petit commentaire quand même, que je vois que vous êtes quand même actif ou active sur ma chaîne. Et je demande rien de spécial. Enfin, le minimum que je demande, c'est une memory text. Si vous pouvez faire qu'une memory text, bah, vous faites qu'une memory text. Hein, c'est pas un souci. Hein. Moi, je suis pas là pour dire, oh, moi, je veux des cadeaux, je veux des cadeaux, je veux des cadeaux. Hein. Non, non, c'est pas le but. Hein. Moi, c'est déjà aussi pour vous remercier de votre soutien. De votre confiance. Donc, c'est pas. On fait ce qu'on peut, on fait pas toujours ce que l'on veut, on fait déjà ce que l'on peut. Hein. Parce que je sais que c'est dur pour tout le monde. Hein. Donc, ne vous dites pas, ah ouais, mais moi j'aurais bien aimé participer à ton concours, mais bon, c'est un petit peu difficile. Mais c'est pas un souci. Hein. Ne vous posez même pas la question, pas avec moi. Hein. Je suis pas là pour ça. Hein. Hein. Vous faites comme vous voulez et comme vous pouvez, hein. Et vous mettez pas la pression si un jour quand peut-être que je ferai comme Michel, des scraps de Michel, je sais pas, je verrai, mais elle vient de faire un petit concours et pour pas démotiver, mais si on peut dire ça comme ça, les personnes qui débutent ou qui ne peuvent pas faire comme elles voudraient faire, et ben elle a pas montré les lots. Enfin, pas les lots, elle n'a pas montré les envois. C'est-à-dire que c'est une fois que le clôture. Que le clôture. Ouh! Je continue, je continue, je coule, je coule. C'est une fois que le concours était terminé qu'elle a montré les envois des copines. Ouais, je pense qu'il n'y avait que des copines. Des copines. Voilà. Donc, peut-être. Que je ferai pareil. Je sais pas encore. En plus, je vous dis, moi, je réfléchis beaucoup, comme c'est mon premier. Mais on se prend pas la tête, hein. Non, 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 pas entre nous, hein. Je sais pas si vous vous souvenez de ma première vidéo de présentation. C'est une vidéo de détente, de partage, de plaisir, de loisir, hein. Je suis pas là. Non, non, surtout pas, hein. C'est pas le but, hein. Hein. On est là pour passer un bon moment ensemble, de pas se prendre la tête, de s'évader un petit peu pendant qu'on partage. C'est pas à se mettre une pression. Non, non, pas ça. Hein. Non, 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 du tout. Je pense quand même, bon, à travers mes vidéos, je pense quand même que vous voyez un peu comment je suis. Hein. Je suis pas ce genre de personne. Hein. Enfin, j'espère que c'est pas ce que je montre en tout cas, hein, parce que c'est pas moi, hein, c'est pas ma nature. Donc, je vous dis juste déjà une memory dex. Après, vous faites ce que vous voulez et surtout ce que vous pouvez. D'accord? Je compte sur vous, hein. Voilà. Donc, ah oui, tiens, ça, je voulais vous montrer, c'est un petit napperon que ma maman m'a fait. Voilà, j'en profite. Je vais vous le remontrer. Hop. Alors, blanc sur blanc, vous n'avez peut-être pas. Voilà. Mais maman m'a brodé ce napperon. Donc, je me suis dit, tiens, je vais le mettre pour faire ma petite présentation concours.
Voilà, il y a eu un petit flou, mais c'est revenu. Donc, bah voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez la moindre question, bah, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou même sur un message en privé ou un message en dessous, hein, les commentaires, voilà. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, bah, sur ce, bah, là, je vais préparer mon tuto, mais comme je vais le faire une semaine sur l'autre, mon tuto pour la semaine prochaine par rapport aux articles de Bibicraft, hein, comme je vous avais dit. Et puis après, je ne sais pas trop encore. Bon, ça va venir vite parce que Noël, c'est quand même la semaine prochaine, mine de rien. Ça tourne, mine de rien, mine de crayon. Voilà, donc ben bon, j'ai un humour bidon. Ça fait rire que moi, mais c'est pas grave. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous fais, voilà, c'est mademoiselle, madame, voilà. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je pense très très fort à vous. Je vous souhaite une agréable soirée et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis à très vite et surtout non, attention, on ne se prend pas la tête. Non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Et puis bah, je vous souhaite, puis je vous, ouais, je vous re-souhaite encore une belle soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.